and souls are not to make you bitter. The days are long when your politics are literature. And days went on and thoughts considered. Still the pretense on for you to feel bigger. Bonjour à tous. Salut. Donc là, on est encore là pour ce deuxième live.
Ce deuxième live mensuel. Voilà, ce deuxième live mensuel, donc ce petit format qu'on a lancé. On a dit, on a promis, on fait. Voilà, donc David, qui est avec moi, qui va répondre à vos... qui va gérer vos nombreuses questions qui vont arriver. Tout à fait. Qui tenait à vous saluer. Salut. En vrai. Voilà. Sur, en vraie caméra. Tout à fait. Je vais vous répondre sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Attends. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce qu'on est bon là? Est-ce que tout le monde nous entend bien, c'est déjà bon. C'est bon. Ouais, donc est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que le son, c'est bien? Est-ce que vous êtes confortablement installé chez vous? Est-ce que vous êtes au chaud? Enfin, est-ce que vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid? Voilà, YOLO, comme diraient certains sur le... 5 sur 5, selon Balibalo. Qu'on salue. Plus fort, plus fort selon Salossin. Balibalo, qu'on salue pour ses commentaires souvent épiques sur nos vidéos YouTube. C'est nickel depuis la Belgique, selon Lucas Boulanger. Bonsoir, nos amis belges. C'est bien. Bon, là, je crois que c'est bien. Ok, parfait. Bon, Nicolo, comment ça va? Bah écoute, ça va. On est revenu d'une sacrée aventure hier soir. On était en train de visiter un atelier de chaussures anglaises. Ouais. Et on a raté l'avion. Et voilà. Alors le plus important, c'était pas l'avion qu'on a raté, mais bon. Alors évidemment, on a visité un atelier de chaussures en Angleterre. Vous vous inquiétez pas, on va vous raconter ça, tout ça en temps voulu. C'était hyper hyper intéressant. Donc là, en ce moment, ça va. En ce moment, ça va très bien. Ça va très bien. Il fait pas si froid que ça. Ouais. C'est dommage parce que j'ai des pièces d'hiver à mettre et à porter. Justement, j'avais demandé, mais quel est ce pull aujourd'hui? Quel est ce pull jaune? Quel est ce pull jaune qui polarise les avis d'ailleurs. Je vous cache pas qu'il y a des gens qui font pourquoi t'as un pull jaune. Moi, ça me va très bien. Ouais, Balibalo dit le coup pas de thème pour ce live. Ben on est en train de l'introduire. Ce thème, ça sera la maille. Ce sera la maille. On va parler. On va commencer par ça. Et on accepte de dévier un peu plus. Voilà, que parce sur que les le but c'est vraiment c'est un peu radio libre quoi pour ceux qui ont écouté Skyrock et Fun Radio à une grande époque. C'était un peu il y a la transparence, un peu vos questions, nos réponses. Nicolo dit, je vois que Nicolo peut se payer plein d'aidements avec ses économies sur le savon. Bah ouais, c'est tout à fait ça. Non, c'est les économies sur rien. Et ça commence déjà. À quand la suite de votre voyage au Japon? Plutôt à la fin de l'année. Mais ça, on va peut-être parler de Maya avant, et si vous avez vraiment des questions, David, du coup, il est là, en fait, il est derrière la caméra. Ouais, il est derrière la caméra, c'est lui qui... En fait, il est là, il surveille par écrit, il veille sur Gotham City. Et du coup, pour le pull, c'est un bel rose. Je t'avoue que j'ai fait un petit écart à mes valeurs. Il était pas très cher, j'aurais dû me douter. J'ai acheté sur Mr. Porter, provenance pas écrite. Il était fait en Chine. Je l'avais acheté, il m'allait très bien. Et j'ai pas voulu le renvoyer. Je pense que je l'aurais trouvé en physique. Je l'aurais pas pris. Mais une fois reçu, vu qu'il était vraiment beau et quali, même fait en Chine, j'ai décidé de le garder. Et c'est dommage parce que j'aurais pu acheter chez une marque dont on va vous parler après, à la place. Donc voilà, c'est vrai que... Alors moi, quand je vois ça, Nicolo, j'ai envie de... Un truc que je ne fais pas en hiver, c'est que je ne porte pas assez de mailles colorées. Ouais. Mais c'est pas simple, hein. D'ailleurs, je vais tourner un Sapement 5 bientôt dessus sur les couleurs, sur mes conseils perso. Ouais. Et je vais vous parler un peu du jaune et tout, mais comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai mis une petite chemise bleue avec, et c'est super important, et je vous avoue que je ne porte pas un haut jaune, pas une seule fois, sans avoir du bleu avec. Pour faire un contraste harmonieux et pas avoir l'air complètement malade, parce que comme j'ai la peau claire et les cheveux foncés, autrement ça vous bouffe le visage en fait. C'est bien que tu me parce que j'ai un trou pour la marque de cachemire qui s'appelle par John. Ah, Johnston of Elgin. Voilà, Elgin. Elgin, je pense. Alors pourquoi je vais montrer? Tout simplement parce que j'aime beaucoup les coloris. Alors c'est méga haut de gamme. Après on va vous parler d'un truc plus accessible. Hein, c'est que du cachemire, mais parce qu'ils font des belles photos. C'est du cachemire écossais de très très haut niveau, donc ça coûte la peau des fesses. Ouais, ça coûte, c'est onéreux. Ils fabriquent aussi d'ailleurs pour de, ils fournissent aussi marques. De grandes maisons de luxe en, ouais. en, en,
en file. Je pense que c'est plus d'ailleurs leur job d'être des fabricants avant d'être une marque. D'être des fournisseurs de fils. Voilà, ah d'accord, des fournisseurs de fils avant d'être, ouais. Avant d'être une marque. Ouais, ouais, et ça marche bien. Donc vous voyez, c'est coloré un peu terre. Et finalement, les pulls que j'aime en ce moment, les mecs, c'est que des choses anglaises ou irlandaises. Ouais. À croire qu'il y a qu'eux qui arrivent à mettre vraiment de la nuance. Parce que moi, j'aime pas enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'aime bien, moi, quand il y a un peu de, tu vois, au niveau de la couleur, ça reste portable. Ensuite, faut voir ce qu'on met derrière le mot portable. Ouais. Après, ils ont une expertise sur la variété des points de tricot aussi, qui fait que et sur la maille en général, ils sont très très forts au Royaume-Uni. Alors, et c'est là où Nico, je voulais avoir ton avis. Ouais. Quel est ton avis sur le cardigan zippé? Écoute, c'est pas mon truc, mais il est très beau celui-là et si tu veux, avec ce niveau de détail et de travail, en fait, avec tout le travail qu'il y a à l'épaule, ça rend le zip moins incongru, tu vois. Alors que s'il avait été tout simple, ça aurait moins marché. En fait, là, il y a le point de tricot qui crée des lignes verticales parallèles, comme ouais. ça. Et puis, il y a les épaules aussi qui renforcent les épaules raglan, comme mais ici. Par d'ailleurs. Exemple, ici, on est sur un SNS. Qu'est-ce que tu en penses? Et bah là, j'aime moins. Oui, il y a un point de tricot qui est intéressant et tout, mais... Le zip, je trouve qu'il casse un peu le reste, tu vois. Et ça, c'est pas une pièce que je trouve facile. Et par contre, le pull col camionneur, qui est donc dont le zip commence ici et s'arrête là, ouais. moi c'est non. Ça c'est non. C'est truc de mon papa, mais ça fait partie des trucs dont je me rappelle de pas stylé de mon papa. Tu vois. Alors, on nous demande, Bilbao demande Nicolo concernant les mailles Paris Yorkers, ça en est où? Alors, j'ai reçu, j'ai testé. Et ça reste très bien pour le prix, mais c'est pas un miracle. En fait, vous verrez, je suis en discussion avec le fondateur qui me dit Alexandre, qui est un mec adorable, qui me dit que ça s'est amélioré et que moi j'ai reçu des productions du début qui n'étaient pas parfaites, mais j'ai reçu quand même deux colis différents et dans les deux il y avait ces petits défauts. Alors, c'est rien de mortel, mais vous voyez ici. Votre poignet, bah, il n'est pas bien remaillé, ça se rejoint pas tout à fait droit et tout, c'est décalé. Votre col ici, bah, là, à l'endroit du remaillage, vous voyez que c'est pas super régulier. Et comme c'est des mailles très lisses en plus, ben, un œil averti le voit, quoi. Et c'est pas une catastrophe, surtout vu le prix où non, c'est... Non, franchement, pour moins de 100 balles, t'as un Merino... En fait, ça reste très honnête pour moins de 100 balles. Pour le prix, franchement, au niveau du prix... Mais par contre, voilà, vous dites pas que c'est le plus ultime et tout, très haut de gamme. Par contre, voilà, et l'autre truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a que des laines peignées très très lisses. Et du coup, ben, ça... Du coup, ça manque un peu de relief. Elles ont un intérêt aussi, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas que ça dans la. Mais dans est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui a, mettons, moins de 100 euros. Oui, c'est là où il faut aller quand même. Si vous avez ce budget-là juste, avant, vous auriez pu vous poser la question, est-ce que j'achète plutôt un pareil Yorker qu'un pull à 200 balles, alors que j'ai le budget pour le pull à 200 balles et l'envie? Est-ce que c'est la même chose? Et là, je suis obligé de vous dire, bah non, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, ça reste un rapport qui a été pris excellent. Et les coupes sont vraiment plus contemporaines maintenant. Moi j'ai vu le tien, je crois que le fit était très très bien. Était super, quoi. Ça, c'est un truc un peu fité et tout, genre pas méga moulant non plus, mais genre coupe flatteuse, tu vois, alors qu'avant elles étaient un peu droites. Les problèmes de bord-côte sont résolus sur la détente. Après, c'est pas très bien fini et c'est pas des fils qui font beaucoup rêver. C'est la seule chose que j'ai à redire. Alors, pour le prix, ça reste génial. Grégoire Gollet nous demande qu'est-ce qui différencie un cachemire d'entrée de gamme à du très haut de gamme. Alors, écoute, la finesse de fibre. La finesse de la fibre et la longueur de la fibre. Et c'est pas anodin. Regarde sur Wikipédia, tu peux trouver les grades ABC. Et en fait, il faut que tu dises que tout ton cachemire d'entrée de gamme, c'est du grade C. Et si je me souviens bien, ça veut dire 30 microns d'épaisseur. Et bon, c'est pas la peine de se prendre la tête sur les microns et tout, mais c'est plus épais qu'un mérinos moyen haut de gamme. Ouais. Et en fait, du coup, ça veut dire que toi, tu te dis, j'ai du cachemire, c'est fou. Et au final, c'est la fibre est de moins bonne qualité qu'une fibre de mérinos moyenne ou haut de gamme. Donc, mais il y a écrit cachemire et c'est pas de la merde. Hein. C'est clairement mieux que ton pull en laine qui gratte et tout. Mais voilà, ça coûte que 80 euros et c'est pour une bonne raison. Et qu'est-ce que tu penses de la robe de chambre en cachemire comme ça? Je pense qu'un jour je l'aurai. On nous demande aussi, la maille est-elle la pièce maîtresse des tenues hivernales?
C'est une bonne question. Avant, j'aurais dit que c'était le manteau, et on en parlait tout à l'heure. Et oui, mais ça dépend de quelle vie vous avez. Et si vous avez une vie où vous passez 6 heures par jour en intérieur et moins de 30 minutes dehors pour faire l'aller-retour chez vous du boulot ou de la fac ou des cours, bah, en fait, une fois que vous enlevez votre manteau, en fait, j'ai quand même vachement moins la classe. Et ça, j'en parlais, d'où l'importance, dont je me rends de plus en plus compte, d'investir dans des mailles vraiment cool pour avoir un peu de style en hiver, d'où l'importance de chercher des points de tricot, des couleurs, des fils un peu différents. Alors, je voudrais rebondir sur la laine, ce que je vois en commentaire sur les pantalons en laine qui se plaint que ça se déchire. Alors, le pantalon en laine, si tu les déchires facilement, c'est que vraiment, je pense que tu les prends un peu trop petits ou un poil un peu trop serré. Ou dit autrement, parce que moi je sais, ça me concernait et ça me concerne encore un peu, même ouais. Si moins depuis j'ai perdu un peu de poids. Si t'as des grosses cuisses et que t'as. Titre indicatif, moi c'est quand mes cuisses faisaient plus de 60 cm de tour. Pour ma taille, 1m72, c'est beaucoup. Et qu'en plus tu as les pieds un peu tournés vers l'extérieur et les genoux qui rentrent un peu vers l'intérieur. Bah en fait, tes cuisses vont frotter quand tu marches, ouais, entre elles. Et les laines cardées, même les laines peignées, mais surtout les laines cardées, à un moment, elles vont lâcher beaucoup plus vite, parce que dans la structure de comment c'est fait, les laines cardées, c'est plein de petits fils de, ouais, différentes longueurs qui sont agglomérés ensemble. Mais du coup, c'est pas aussi uniforme qu'une laine peignée. Et à la fois, c'est ça qui fait l'aspect visuel intéressant. Et à la fois, ça fait que ça supporte moins bien cette friction. Et en gros, moi, j'ai flingué beaucoup de pantalons en flanelle comme ça. Ouais, et mon point, c'est qu'effectivement, c'est alors de l'aveu même d'un gros fournisseur de draps de laine anglais, le pantalon en flanelle est une pièce fragile. C'est pas un jean. Ce fournisseur-là. Ouais, dit... ouais, même qui vont prendre la laine bien vénère. Très épaisse en plus. Ouais, non, il a dit, c'est pas un jean, quoi. C'est une pièce qui est fragile. On peut pas la porter tous les jours. Voilà, quoi. Il faut le... À quel poids une maille était considérée comme une maille épaisse? Bah écoute, moi je dirais que ta petite maille typique, elle est à 250 grammes. Ouais. Et jusqu'à 600 max, on peut considérer que c'est une maille intermédiaire, mais ça commence à être une maille intermédiaire costaude, dans le sens où tu as des hivers où tu risques de ne jamais porter plus lourd que ça. Vraiment en France, surtout les hivers de nos jours qui sont plus chauds. Et au-delà de 600... pour moi, c'est une vraie grosse maille. Il y a des gens qui diront c'est plutôt 700, 800, mais voilà. Ça, pour info, je pense que c'est du 340. Et ça a beaucoup de gonflant parce que c'est du Shetland un peu gratté. Et du coup, ça a l'air plus lourd que ça ne l'est. Mais là, j'ai chaud, quoi. on est en novembre et j'ai chaud. Alors, Simon nous demande, est-ce qu'on peut parler des cols roulés Bonne Gueule qui sortent samedi? Alors, pour ça, je t'invite à lire l'article. Qui vient de sortir et qui est quand même assez complet. Il y aura la vidéo en plus qui va sortir. Et si tu as d'autres questions... On vous parle déjà assez de la marque sur les sujets de lancement. Et en période de lancement, alors nous, on aimerait ne pas... monopoliser votre attention dessus quand on est là pour répondre à vos questions sur tout le reste, en fait. Ouais, en plus au quotidien, c'est David qui répond à toutes vos questions. Rémi, est-il encore utile d'investir dans un manteau chaud avec le réchauffement climatique en France? Oui, quand même. Bah franchement, là, la semaine prochaine à Paris, il fera entre 7 et 2 degrés. Voilà, c'est un manteau chaud, ça va être vraiment pénible. Sous les 7 degrés, tu commences à... Mais bon, tu n'as peut-être plus besoin d'avoir plein de grosses mailles, par exemple. Alors qu'avant, peut-être qu'avant le réchauffement climatique, ou quand il était moins prononcé, ouais, c'était intéressant d'avoir 4 ou 5 grosses mailles. Moi, j'en ai 2-3, et quand je les mets, parfois, je les mets seul ou pas avec un gros manteau. Tu vois, c'est plus la même pièce, c'est plus le truc où tu mets tous tes trucs les plus chauds les uns par-dessus les autres. Et... On me demande si le manteau Wander, alors déjà, c'est pas un manteau, ouais, c'est un blouson. Pour le coup... Est-ce que c'est suffisant pour l'hiver? Bref. Ouais. Non, je l'ai vu, celui-ci. Il est un peu juste. Il est là-bas, derrière, au bureau, pour l'hiver très très froid, si c'est bien le même, c'est pas assez, quoi. Après, tu vas faire... Si on met un bon pull en dessous. Si t'as une très grosse maille en dessous, une bonne écharpe, pourquoi pas. Mais voilà, ce sera bien jusqu'à 5 degrés, je pense, avec une grosse maille. C'est pas très épais.
Une reco pour une parka entrée de gamme est mieux que Uniqlo. Ah bah là, malheureusement. Mais dans les prix de Uniqlo ou... Si c'est dans les prix d'Uniqlo. Là, comme ça, je sais pas. Il n'y a pas de miracle. Est-ce que c'est normal que mon trench coat ne soit pas totalement déperlant? Oui, et pour ça, il faut que tu rajoutes du spray déperlant. La question, c'est de qui? Ouais. C'est de Baptiste. Tu rajoutes du Granger. Mais ouais, tu vas devoir le faire assez régulièrement. C'est assez bidon à faire. Je crois que c'est... Et honnêtement, ça peut être une idée. Parce que tu vois, en fait, les trucs, c'est que les trench d'entrée de gamme, ton trench jusqu'à chez Sandro, par exemple, le trench à 400 balles, il est absolument pas déperlant. C'est juste du coton. Alors, la déperlance, on sait bien qu'on soit dessus. Ça veut pas dire que le vêtement est imperméable. Ça veut dire que jusqu'à un certain point, l'eau a du mal à pénétrer dans le vêtement. Mais il y a un moment où la déperlance sature et si ça flotte, et ben vous serez mouillé. Mais voilà, donc si vous avez un des trenches bon marché et tout, mais que vous voulez quand même un peu optimiser son côté pratique et pas son côté juste style, et que vous voulez pouvoir le porter un peu sous la pluie, ben ça peut être une bonne idée d'utiliser le spray que Benoît utilise. Ça n'a aucune incidence sur le visuel? Non, ça fait absolument rien. On voit pas du tout. Ouais, c'est un spray que tu mets et ça se. J'ai testé moi. Voilà. Baïbalo qui dit toujours que sur les t-shirts. Oui, quand on porte une maille, est-ce que c'est moche si le t-shirt blanc en dessous dépasse? Je trouve que oui. Alors, il y a des gens qui aiment le style, mais pas dans ce cas-là. Choisis vraiment bien la couleur de ton t-shirt exprès. Essaye d'avoir un t-shirt qui a un joli. Bord côte de colle qui est pas tout fripé. Tu sais, quand t'as ton t-shirt Monoprix pas cher et tout, que tu l'as lavé pas mal de fois, le col il commence à gondoler un peu et tout, et ça c'est pas très beau. Mais je trouve que ça fait un peu. Comment dire, moi c'est pas mon style. Je préfère mettre une chemise qui dépasse ou rien qui dépasse. Il y en a qui le font. Arc'teryx, trop cher, Silver. Non, c'est pas trop cher, mais. Mais c'est un budget quand même, hein. c'est pas anodin. Arc'teryx ou Arc'teryx Vaillance? Elle est belle cette veste bougie. Ouais, alors attends, parce qu'on me parle des cardigans. Alors ils sont où les cardigans? Oh putain, ça a été traduit par chandail. Ouais, mais bougie, j'ai de moins en moins de facilité à comprendre. Ah non, tricot. Ouais. Au fur et à mesure que ça avance. Cardigan en laine super gilong. Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire, leur super gilong. En fait, faut que vous compreniez que les appellations des fibres des mailles, des fils, c'est pas des appellations officielles ou contrôlées. C'est un fournisseur qui donne un nom à une gamme. Et même chez nous, sauf que chez nous, on vous explique à quoi correspond la gamme de ce fournisseur. Mais en gros... Une maille, un fournisseur peut appeler son mérinos extra super méga ultra fine et vous ne saurez pas si ça correspond à 20 microns, à 18, à 19 ou si en fait c'est juste un peu plus fin que le reste. Donc quand ça s'appelle super G-long, le super G-long c'est pas un truc, c'est pas un vrai truc, c'est son fournisseur qui a appelé ça comme ça quoi. Et c'est vrai qu'on me parle des Mycos, mais moi j'en ai toujours un bon souvenir des Mycos. Hein. Chaque fois ils font des trucs assez sympas. Ouais, ça dure pas mal, je sais pas où c'est fait par contre. Sydney a un pull cos qui était. Il y a du bon travail de design pour pas très cher. Ça, ouais, ça non, franchement c'est cool. De cos. Par contre, sur l'éthique, je sais pas. C'est H&M quoi. C'est H&M donc c'est pas fait en, c'est pas fait en France, hein, ça. On nous demande une alternative à Hercus pour du cachemire. Une alternative à ce prix-là, à part Monoprix. À ce prix-là, tu auras difficilement mieux pour du cachemire. Tu peux monter plus cher chez Bompard ou encore plus cher chez Justum of Elgin. Tu peux aller chez SI, mais t'as pas beaucoup de choix. La marque Asket, dont j'ai pu tester quelques produits, notamment les sous-vêtements dans mon comparatif, ouais. Et les t-shirts et les sweatshirts. Je sais que le fondateur, c'est un mec, il est comme nous, il se bute sur la qualité. J'ai eu de longs échanges de mails avec lui. Et vraiment, ce qui le préoccupe, c'est faire le produit le plus quali possible, moins avec enfin, il a une vision de la qualité qui est très 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 terre à terre. En mode, le truc, il doit être solide, durable. Là, qui fait en tout, celui-là. C'est très 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 basique.
Mais voilà, je suis sûr que vous avez un très bon cachemire chez lui. J'ai pas pu le tester, mais je connaissant le gars, ça peut être bien. Après, c'est plus cher que Irkaz, je pense. Un petit peu. Lui, il dit que c'est tricoté en Italie et que c'est remaillé en Tunisie. Et il est très transparent sur, ouais. sur la provenance et tout. Il va vous donner chaque étape et tout. C'est vraiment une... Même la découpe de son prix, elle est relativement... Ouais, alors bon, il n'y a pas la... Si, c'est bon. C'est, voilà, par exemple, vous voyez, lui, il fait un schéma de découpe de ses structures de coûts et il n'est pas bullshit. Parce ouais. que dedans, à la fin, il y a sa marge. Et il ne vous dit pas, en fait, nous, on ne fait pas d'argent sur notre... Il y a sa marge. Non, c'est vraiment bien. Alors, Arket n'est pas une firme d'HM, non, tu confonds peut-être avec Arket. Arket, mais... Geoffrey, arrête pas de me dire, mais pourquoi tu parles d'Arket, c'est HM. Et je dis, non, c'est Arket. Ouais. Mais je sais pas si je crois Arket s'est inspiré de j'ai Arket, fait une. Ouais. Je suis à Copenhague, j'ai fait une boutique, mais je sais plus si c'est Arket ou Arket. Ah bah Benoît, il faut savoir. mais à mon avis, les boutiques Arket, ils doivent pas en avoir beaucoup. Hein. C'est une petite marque. T'as autre Arket alors que j'ai fait parce qu'il y a des t-shirts en mérinos, il y en avait pas. Mais ça doit leur poser problème, hein, cette similarité de nom. Ah, je pense aussi. Ouais. Ouais, Uniqlo pour le cachemire, mais ce sera du cachemire grade C de basse qualité, moins bon qu'un bon mérino. Ouais. Votre parka, quel type de climat shield ? Apex ou Elite ? Sera-t-il fin ou épais ? Alors Grégoire, je crois que le climat shield Elite, c'est fait pour les oreillers. Donc, ouais, le Elite, c'est fait pour les oreillers, donc étant donné que nous avons fait une parka... L'oreiller bonne gueule. Et non, un oreiller, ça sera du... Attends, je vais revérifier quand même. Je crois que d'ailleurs, il m'avait dit que dans les grands hôtels, les oreillers, ils étaient en climat shield. Mais il me semble que c'est le... Alors, attends, que je regarde. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande les vestes en cuir Black Edley. Moi, j'ai pas pu tester, mais j'ai eu le retour de mon ami. C'est bon, c'est de la merde. C'est vraiment... j'ai pas d'autre moyen de vous le dire. Genre, il m'a dit... Je lui ai bien appris et tout, les choses. On a beaucoup regardé de cuir ensemble et tout, donc il sait... Et il m'a dit c'est la polonaise la plus moche et de plus mauvaise qualité que j'ai vue de ma vie. Et en même temps, il l'a payé 230€, quoi. Voilà. Donc, et lieu de confection, c'est pas écrit. Il y a rien. C'est genre, il y a rien dit. On s'est fait au fond de la mer. Au fond. Dans la tente. Donc, alors, je reviens sur le climat shield. Oui, le climat shield Elite, c'est pour les oreillers. Et donc, notre parka, elle sera toujours avec le fameux climat shield Apex. Par contre, le fresh, je sais pas lequel c'est. Ouais, il doit être tout nouveau. Mais ouais, ça sera le fameux Apex. Mais honnêtement, entre l'Apex, entre le contour, HD, au niveau des... nous, c'est chaleur légère, au niveau des... Alors, c'est pas très clair chez Climachild. Hein. Même l'agent français, il avait du mal parfois à m'expliquer vraiment la différence. Mais nous, ça sera le fameux Apex. On aime beaucoup. Et on a encore des questions sur le shampoing, il faut vraiment que je fasse cet article. Alors, bah écoute, toujours pas, hein. Fait un an et trois mois là. Moi, le no-poo, ça fait combien de temps que je t'ai dit que j'avais essayé? Bah, ça fait un an. Ouais. Moi, ça fait un an et deux mois, je crois. Ouais, ça fait un an, que du bon, pas de... Faut les rincer tous les jours, mais franchement, ça se fait. Moi, j'ai des compliments sur mes cheveux et tout, ils sont doux, ils sentent pas mauvais. Franchement, moi, c'est... Mais il y a des techniques. Faut tester ça pendant au moins un bon mois, pas deux semaines, parce que le temps que ça se régule, et vous serez surpris. Mais n'y allez pas à l'arrache, sinon vous allez nous en vouloir. Attendez que je sorte l'article où j'explique la méthode et tout. Il y a toute une méthode de brossage et tout. Benoît, pour une raison que j'ignore, il n'a pas besoin de faire tout ce que je fais. Donc déjà, tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai tout un truc de brossage. Non, mais moi, objectivement, je ne suis pas quelqu'un qui soit très très bien coiffé. Enfin, je ne fais pas beaucoup d'efforts, moi. Il a aussi un peu moins de cheveux. Et j'en ai moins que Nicolas et je commence à en avoir vraiment de moins en moins. Ah ouais ? Moi, je trouve que ça va. Tu penses que ça s'est stoppé ? Moi, je suis persuadé que depuis que Benoît, il n'utilise plus de shampoing et ça tombe plus. Bah... Mais en tout cas, je vais écrire l'article. Et dedans, je vous expliquerai exactement comment on fait pour entretenir la brosse, le peigne, machin. Ah oui, c'est vrai que toi, tu dis tous ces trucs-là. Mais au final, c'est une routine à prendre. Ça ne vous prend pas plus de temps que d'acheter et d'utiliser du shampoing. Pour ceux qui sont sensibles à ça, c'est aussi bien pour la planète. Et
Moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est que mes cheveux sont mieux. Vraiment. C'est pas juste un délire, c'est... J'ai plus de volume, ils sont plus beaux, ils sont plus doux. Et aussi, j'ai plus jamais eu le cuir chevelu irrité à force de me faire des shampoings tous les jours. On me demande, sur, à mon avis, sur Fortella au niveau des mailles. Mais ils font pas de mailles, Fortella. Les mailles surtout. Ah ouais ? On va voir. Croco Belt, 400 euros. Allez. Allez. Django. C'est un peu onéreux quand même. C'est onéreux, mais et pas tant que ça. Dans ce, pour ce genre de marque, un peu design et tout, le rapport qualité-prix style. Ouais, le rapport bon. Qualité-prix style. Et bon, le rapport qualité-prix pur, clairement, vous pouvez. Ouais, la maille, le col roulé normal. Bah, c'est un euros. Super gilon que vous, on sait pas trop. D'accord, mais il est assez normal. Bon, il a un gros col roulé. Mais est-ce que vraiment vous avez un intérêt à acheter ce cardigan? Pareil, il est bien, mais... Par contre, j'aime bien ces petites West Coast, là. West Coast, voilà, oui. Si c'est des pièces avec un design que vous n'arrivez pas trop à trouver ailleurs, et vraiment... Mais je pensais que c'était vraiment plus cher, moi. Non, ça va, hein. Honnêtement, ça va. Ça dépend des pièces. Moi, honnêtement, c'est une marge... Je sais pas, j'aime après, j'aime où est-ce qu'elle est faite, cette chemise, voilà. Regarde, clique dans Additional Information. Ça m'énerve, les marques qui savent pas faire du... Qui disent pas. À voir, je sais pas si tout est italien. Alors, FC du 31 me demande, et l'article de Benoît annoncé comme le Graal pour juillet dernier sur le forum Canard PC. Quoi ? Tu sais, mon article sur la vision intégrale appliquée aux vêtements. Ah, c'est vrai que tu l'as pas sorti encore ? Non, je l'ai pas sorti, il est... C'est parce que là, en fait, je vous explique. Je crois que j'ai quasiment fini la rédaction brute, vraiment, donc la rédaction brute, alors là, je l'ai sur cet ordinateur-là, mais pas sur celui... Ouais. Qui revoit l'écran. Ça pour, alors, et là, j'ai le plomb qui commence, c'est tout l'éditing, le machin, et c'est un peu quelque chose que je fais en reculant les pieds. Mais ça serait vraiment bien que j'arrive à le sortir avant la fin de l'année. Ah ouais, ce serait bien. Pour vous faire ce petit cadeau de Noël. Parce qu'en plus, parfois dans mes articles, il y a plein de trucs que je voudrais expliquer, mais qui demanderaient à ce que vous ayez lu l'article, cet article-là, pour que vous ayez qu'on puisse parler le même langage et le même. Enfin bon. On verra tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parlais, restez tune, comme on dit, restez branchés. Ouais, et pour le shampoing, moi j'ai besoin d'un peigne à dents fines et d'une brosse sans crin de sanglier. Mais je vous promets, je vais finir par le faire, soyez patients. Alors, est-ce qu'un jour on va sortir une parka en Gore-Tex Pro ? La réponse est je ne pense pas, parce que Gore-Tex, d'une part, c'est un beau produit, mais comment dire ? Ils sont assez pénibles pour donner leur licence, en fait. Gore-Tex ? Ouais, s'il faut une licence, et apparemment... je crois qu'on les avait contactés, mais il fallait faire un dossier qui était énorme. Enfin, les mecs, je me dis, mais ils sont fous. Ils sont fous. Donc, pas pris pour le moment. Puis là, on a des choses très bien chez Polartec, chez Polartec avec le Neo Shell, chez Sympatex, chez Event. On a des choses vraiment très cool, donc... Je suis pas spécialement pressé de faire ça. Alors on me demande également ce que je pense de la parka de chez Drapeau Noir. Et ben moi je l'aime bien cette parka. Alors si elle dit qu'elle est imperméable, bon. Elle est vraiment imperméable. Non, ça doit être. Alors je pense que ça doit être une parka de chez avec une toile technique, voilà, italienne, donc ça doit être du Olmetex. Bon, mais c'est pas imperméable. C'est le ventil italien. Mm-hmm. Donc si c'est imperméable. Ça allait autant que du ventil. Donc c'est des perles. Moi, parce que tu vois, j'ai une veste acronyme en stot, qui a aussi un 100% coton, qui est imperméable. Franchement, ça fait bien le taf. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a pas les coutures soudées. Donc c'est pas imperméable. C'est pas waterproof. Ça serait les Américains diraient que ça serait du water résistant. Ou du weather résistant. Vous en faites pas si vous faites des petites pluies, par contre, si vous avez... Ah non, doté d'une membrane. Non, je me suis trompé. Ouais, doté d'une membrane. Autant pour moi, il y a marqué qu'il y a une membrane. Faut voir si elle est couture soudée aussi. Par contre, c'est vrai, là, à ce prix-là, je pense pas, mais honnêtement, c'est part de Drapeau Noir, c'est vraiment bien. Mais je trouve ça. C'est dommage qu'ils nous mettent pas le matelassage, tu vois. Ils disent pas ce que c'est. Ouais, il doit pas être particulièrement notable alors. Je sais pas, ou Nicolas qui est le fondateur, peut-être qu'il estime que c'est pas intéressant. C'est trop d'informations, c'est pas intéressant d'en parler, alors que moi, c'est un truc que je veux savoir, quoi, parce que t'as tellement le jour et la nuit entre les différents types de matelassage, d'insulation, et je trouve ça dommage que les. Il faut le dire, il faut le dire. Raphaël nous demande si on a eu des retours sur Black & Lee, mais oui, il vient d'en parler. Tu regarderas la rediffusion.
Un peu plus tôt. Avez-vous une idée de sac particulièrement messenger de marque japonaise? Pff, alors là, les japonais sont très fans de sac à dos. En cuir, regarde, bon, je sais pas si je dois parler de Denimio. J'en parlerai pas par écrit, j'en parlerai en live. Pourquoi? Parce que j'en discutais avec Benoît l'autre fois. Oui, c'est un bon plan pour vous, mais nous, on est un média et c'est un peu... en fait, plus j'y réfléchis, plus je comprends qu'ils sont dans, je pense, dans l'illégalité, puisque... ou dans le, du moins dans la zone grise légale, puisque par défaut, leur site remplit les papiers de façon à ce que vous ne soyez pas taxé aux douanes. Regardez les marques de sacs qui sont proposées dessus, et vous voyez ce que vous voulez faire. C'est vrai que dans les faits, nous, c'est pas le genre de business qu'on a envie de mettre en avant. Mais en dehors de l'envie, je sais pas si on... Enfin, tu vois, c'est dans le point de vue, même si personne va nous poursuivre en justice non, ou mais quoi. Non, mais c'est une question de... Tu vois, c'est des filous, quoi. Ouais, après en tant que patient... T'as un autre truc où moi, je te dis, hein, j'admets sans problème, j'ai commandé chez eux, ouais, j'étais ouais. très content, mais en tant que passionné, tu dis, c'est super, j'ai les prix du Japon sans les frais de douane. Mais tu les as en trichant. Tu triches, oui. Et tu triches et du coup, c'est de l'argent qui ne passe pas à la douane française. Qui va pas financer nos écoles. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors je réponds juste sur le... Moi, en sac à dos en fait au Japon, j'aime beaucoup ceux d'ABSL, voilà. Les écharpes Baby Alpaga, là. Alors, atelier particulier. On salue Fulbert, le fondateur. Salut Fulbert. Salut Fulbert. Alors, atelier particulier, moi je trouve ça, c'est souvent joli, et je crois que c'est celle-ci. Par contre, je ne pense pas que ça a été aussi long. Moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu moins, comment dire, un peu moins exagéré sur les propos marketing. Genre que la Baby Alpaga, c'est la fine la plus fibrée et la plus rare. Oui, alors effectivement, c'est pas vrai. L'accès au Baby Alpaga étant très limité, d'habitude réservé aux grandes maisons de luxe. Ben, ça, c'est un propos, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non plus. L'alpaga est un animal rare vivant presque exclusivement au Pérou. C'est bon, voilà. Et en fait, il y a beaucoup. Les produits sont bien, hein, mais il y a beaucoup de trucs comme ça et nous, ça nous chiffonne un peu. Le baby alpaga, la alpaga la plus rare, la plus fine, la plus luxueuse. C'est pas vrai. Il y a le royal paga qui est plus fin et qui est plus luxueux. Donc, alors nous, on a le costume qu'on sort, dont vous aurez l'article demain, il y a du baby alpaga dedans, et j'ai essayé un peu de démêler le vrai et le faux dans les mythes. Mais 7 fois plus chaude que la laine classique, c'est un chiffre que je n'ai pas réussi à retrouver ailleurs. Je ne sais pas d'où ça sort, quoi. 7 fois plus que... Mais globalement... Si tu es 7 fois plus chaud, ça veut dire qu'au lieu qu'il fasse 30 degrés, il fait genre 210 degrés sous ton pull. Ouais, alors globalement, c'est une... Mais c'est un produit sympa, hein, ça. Il n'y a pas... D'ailleurs, le mannequin porte un bouson dans la gueule. C'est un produit qui est fort sympathique, mais... Sur les écharpes, moi, je sais pas... Tu l'as touché, celle-ci, ou pas? Non, je l'ai pas vu. Parce que j'aimerais bien voir si elle est fine ou pas. Parce que moi, en écharpe, j'aime pas les. Alors, en hiver, j'aime pas les écharpes trop fines. Oui, ils font des écharpes assez fines et souples. Mais tu le vois, regarde à la fluidité du tombé. Pas là-dessus, sur cette photo, elle est enroulée, elle fait plus épaisse. Mais sur les mannequins, c'est pas un châle non plus, mais c'est pas une écharpe épaisse, quoi. Alors, toi, t'en avais une qui était immense que j'aimais bien. De chez Irkus. Et en ce moment, Irkus, ils ont des écharpes en cachemire vraiment bien. Pour le coup. Et. Vous pensez quoi des pulls col roulé de drapeau noir? Ils ont l'air très bien. Ouais, je crois que Geoffrey, il y en a un, franchement, je trouve ça vraiment... Je sais pas comment c'est niveau fit sur le mannequin, j'ai l'impression que c'est très droit. Bah sur Geoffrey, ça allait bien. C'était pas très droit? Franchement, ça allait. Okay. Attends, c'était quoi? C'était... Ça, il a dit... Ouais, les pulls sont dans sweat. Donc, non, mais globalement, c'était vraiment cool. Alors attends, Geoffrey, il y a lequel? Je crois que c'est. Je me demande si c'est pas. Alors, c'est le pull coloré lambda calqui. Et il faut pas qu'on oublie les questions des gens sur Facebook. Ouais. Je crois que Geoffrey il a celui-là et moi je trouve ça. C'est un super produit. Alors, dernière tentative, que pensez-vous de les pulls colorants de l'exception et de la marque qui ont sorti en général? Moi, j'ai pas pu tester, mais ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Ouais. Par contre, je me demande quel est, si c'est cohérent pour eux de faire des trucs aussi basiques sur l'exception.
Bah, alors, il faut savoir que c'est Rémi qui était chez Mindaglios qui s'est occupé de toute la. D'accord. De toute la. Cette collection. Tiens, Nicolo, ça te rappelle rien, ces chaussures? On les a pas vues hier. Ah oui. Hier, ouais. On les a vues hier. Et ouais, c'est assez illisible le shop. Clique sur un produit et tu verras, il te mettra sur la page où ils y sont tous. Bon. C'est... Alors ça va être. Ouais. Ah, oui, okay. Non, t'es dessus. C'est... Ok. Non, franchement, c'est effectivement le. Pour le coup, moi je dis oui. Pourquoi il vaut pas mieux des matières synthétiques pour les mailles? Ça tient chaud, tant mieux. Non, mais en fait, ça tient pas plus chaud. Bah, le problème, c'est. Ouais, ça c'est... te fait juste suer plus. Et en fait, je sais pas si tu vois ce que ça fait. De suer alors que t'as froid, mais en fait à la fin t'as plus froid parce que ta transpiration elle te refroidit et elle reste coincée sur toi. Et essaye, mais quand j'avais un gros cardigan à un moment diesel 100% acrylique que j'avais racheté, un non 50% acrylique 50% laine dégueulasse, que j'avais racheté à un gars sur un forum à l'époque où je connaissais pas encore trop des trucs, j'étais jeune. Et il m'a dit, ouais, avec ça, t'inquiète, t'auras pas froid et tout. Je fais, ah, super, merci beaucoup et tout. En fait, t'as vu comme c'est costaud, je fais, ah, merci beaucoup. Et genre, je le mettais et j'avais, vous voyez, quand vous avez la fièvre et vous savez pas si vous avez chaud ou vous avez froid, j'avais l'impression d'être comme ça à chaque fois que je le mettais une journée en revenant chez moi. Quand tu sues, en même temps, t'as froid. Oui, parce que là, ouais, la transpiration s'évacue pas, donc elle refroidit votre corps. Je me demandais comment est-ce qu'il était préférable de porter un col roulé bleu marine. Bah franchement, là pour le coup, tu reprends l'article sur les cols roulés qu'on a sorti là, et honnêtement c'est pas très compliqué. Mais comme un pull col rond marine en fait. Hein. Ouais, tu le mets en dessous d'un blazer avec un blouson en cuir. Enfin tu vois moi, tu vois là j'ai pris des cette partie là, c'est moi qui l'ai écrite sur le col roulé et le cinéma. Donc évidemment là t'as Steve McQueen dans Bullitt qui le porte avec un blazer et c'est très élégant. Là avec un holster et ça a été l'idée a été reprise par Daniel Craig. Enfin tu vois ça se porte, tu vois il porte avec un blouson en cuir. Michael Fassbender le porte aussi avec un blouson en cuir, avec un costume. Enfin vraiment c'est pas très compliqué. Une opinion particulière sur Grenson. Ouais bah c'est attends, G2 c'est fait en Inde. Du coup donc oui c'est vachement cher pour ce que c'est. Franchement, hors solde, c'est une marque qui tire beaucoup plus sur un côté mode. Et la gamme Made in England, finalement, si on regarde, je trouve pas que ce soit. C'est un peu cher, c'est sûr. En fait, à ce prix-là, t'as peut-être envie d'aller. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les souliers sneakers, c'est non. Ah, c'est. C'est non. Hein. Ça, c'est. Ouais, c'est un peu compliqué. Et mais ouais, en tout cas, c'est une marque qui mise beaucoup de plus en plus sur son design. Et moins sur un rapport qualité-prix, quoi. Votre jean qui sort en décembre sera noir. Toile japonaise ou italienne, sera-t-il de qualité identique ou mieux que le jean noir Hansen de Benoît? Alors, ça sera une toile japonaise. Mon jean Hansen, il est vraiment... Le fil de chaîne est noir et le fil de trame aussi. Là, ça sera, il n'y aura qu'un des deux qui sera noir, donc il sera plus anthracite, on va dire. En fait, c'est que vous aurez du noir avec un fil de chaîne blanc et le rendu visuel, ça fera un peu comme un gris, au final, un gris très foncé. Moi, j'aime bien ça, Nicolo, en fait. Hein. Oui, moi aussi, le style est très cool. C'est juste que. Elles sont tellement confortables, elles sont vraiment cool. Hein. C'est très cool, mais fait en Inde à 270 pounds. Ah bah, on sait maintenant, Nicolo, qu'il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Sur le soulier, il n'y a pas de secret. Ouais. Et c'est quoi l'organe qui est fait en Angleterre? C'est, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, je crois, la G0 c'est sûr, le Velt, parce que tu sais, il nous avait parlé dans l'usine du cousu Velt jaune, qui est le seul vrai cousu imperméable. Ah, le triple Velt, ça doit être ça. Ça, je sais pas si c'est fait, on regarde les prix, c'est simple, si c'est pas c'est méga cher, c'est pas 460. Je suis même pas sûr que celle-là soit faite en Angleterre. Made exclusivement dans la famous Grenson Factory, c'est fait là-bas. Ouais, mais dans la famous Grenson Factory, j'ai toujours pas lu Angleterre. Hein. Ouais. Ils ont sûrement une factory en Inde aussi. C'est G1, tu vois. Ouais, la G1, c'est fait en Angleterre. Et l'archive collection. Je crois. Et par contre, ah oui, et la G2, c'est... G2, c'est sûr que tout est fait en Inde. Ouais, ils le disent pas. Quand c'est... C'est pas... Moi je vois maintenant, tu vois, le soulier anglais, je le vois autrement, Nicolo. Je sais pas si ça t'a fait ça. Oui, moins de légendes. Et en même temps, on sait pourquoi c'est bien. Tu vois.
d'un côté on démystifie un peu et en même temps on sait pourquoi c'est de la bonne cam. Vous pensez quoi des nouveaux produits de la marque Octobre Edition? David a envoyé une fiche marque vers la marque et pour ce qui est des tout nouveaux, bah, on les a pas vus. Ouais. Ah ça, ouais. Attends, t'en as vu? Ouais, je les ai vus. C'est du Octobre qui continue à faire du Octobre. C'est ça, donc vous pouvez vous référer à la fiche marque. Voilà, c'est vraiment notre avis. Ce qu'on a mis sur la fiche n'a pas trop changé. Le problème d'un jean noir, c'est qu'on peut pas mettre de chaussures noires ou blanches à cause du contraste. Oui, il peut être. Alors, blanche, tu peux, mais ça fait un peu ado, je trouve. Un petit jean noir et des sneakers blanches, ça passe. Hein. Oui, mais noir comme on a sorti, pas noir optique. Ouais. Mais noir optique, honnêtement, les trucs qui sont noir, sur du coton, ouais. Et même sur la maille, à part sur le cuir, en fait, et peut-être à la limite de la laine très texturée et tout, tous les trucs qui sont genre noir de chez noir, et bah, ils bouffent toute la lumière de votre tenue, en fait. On voit plus que ça fait l'effet vortex. Bon, Nicolas me demande mon avis sur Bozy. Ah, enfin. Ah. Ouais, tu vois, je voulais qu'on en parle. Bah écoute, je pense que je vais acheter et je vais faire mon retour, mais ça a l'air vraiment bien. Moi, je trouve que bon, c'est vraiment à voir, hein, parce que ce que je vois sur les photos, tu vois la non, coupe. Non, mais ça c'est moche, il y a d'autres trucs. Regarde ici, va dans Main à droite. Et ce qui est très bien, c'est que les fils sont personnels. Enfin, tu peux choisir la couleur de ton fil et tout. Il y a plusieurs... Et tu sais, ils sont fournisseurs pour une marque que tu aimes beaucoup. Oui. Mais ouais, je suis... Bah... Moi, c'est vraiment à voir, hein, parce que je t'assure, sur les photos, ça... Bah, la qualité a l'air très bien. Hein. Après, les fils, mais regarde, les cols, les machins, je suis pas... Oui, c'est juste que les fits sont un peu difficiles. Ouais, ça, moi, j'ai pas envie de porter ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, le... Bah, moi, je trouve que le fil a l'air super, mais bon. C'est vrai que c'est un peu... Mais les mannequins, ils les habillent une taille trop grande. C'est pas faux. Vous voyez ce que ça peut faire, une marque qui fait des choix de DA différents, ça peut beaucoup jouer sur la perception. Ouais. Dans certains cas, oui, mais... Ouais, dans les cas des gros draps de laine, de manteau épais, mais en vrai, tu peux aussi faire une laine très solide et très épaisse. Par contre, c'est pas le même prix. Et c'est pas le même prix. Mais en fait, je n'écoute jamais l'argument de « Ah, on a mis du synthétique parce que c'est mieux ». Ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. Bah, ça dépend, avec des poils comme du mohair, de l'angora ou... Ouais, peut-être si t'as des laines extrêmement fragiles et que c'est 100% sur un produit qui devrait être solide, peut-être tu mets 10% de synthétique pour... Genre, mettons, mais pourtant il y a des manteaux avec des draps 100% cachemire et ils sont très bien, tu vois. Oui, mais je pense que tu vois, quand t'as, quand t'as des fibres très poilues, très, très, très duteuses pour apporter de la stabilité, oui. ou pour le motif, parfois t'es obligé de mettre un petit peu de mais enfin, la plupart du temps, c'est pas mieux, c'est rarement mieux. Après, c'est acceptable. Bah, je vais spoiler un peu, mais chez Ferla, tu vois. Oui, mais... Tu vois, leur collection Baby Alpaga, ils ne pourraient pas la faire... Oui, mais parce qu'il y a un relief particulier et tout, mais quand c'est un drap de laine de manteau tout lisse... Ah oui, oui, oui. Tu vois, ouais, ouais. Ou quand c'est une maille, moi, la maille avec le pourcentage de synthétique, pareil, à moins que tu aies un fil avec un aspect ultra spécial, je ne cautionne pas. Voilà, donc il est 19h45, enfin 43, on a... 44... Un quart d'heure de live. Mais restant. C'est bien parce que là on commence à tenir, quand on fait les lives, maintenant on commence à s'y tenir. Oui, au niveau du timing. Et ne plus dépasser. Hello, où peut-on trouver des gros pulls d'hiver? Eh franchement, désolé, on répondra pas. Faut que tu regardes le live. Mais moi, on a bien Bozy, on a bien SNS, on a bien. Franchement, là j'ai l'impression qu'on a passé l'heure à avoir des questions qui se répètent. Et Uniqlo, c'est bien ou pas? Aïe aïe aïe. Eh, c'est une blague aussi, hein. Ne réponds pas, Benoît. Nicolo, que penses-tu du pull jaune ACOG, A Kind of Geese? Je crois que je l'ai vu et j'ai hésité avec celui-ci, mais le prix m'a fait un peu aller vers le bel rose. Attends, je vais regarder. C'est celui-là? Ouais, bah ouais. Il est objectivement un peu plus beau que le mien, je trouve. C'est vrai que c'est une belle marque quand même. Hein. Mais il a sur celui-ci, il est pas jaune. Il est un peu. Comment c'est dire? C'est vraiment une super marque. Hein. Il est un peu ocre. Retrouve le pull. Attends, oui. Il est un peu ocre. Et c'est celui-là. Ouais.
Et en même temps, c'est un sacré tarot, hein. Ouais, mais voilà, c'est pas la même chose. Ouais, fait en. Et puis il y a du cachemire. Fait en Germanie. Fait en, ouais, en Allemagne. Mais ouais, si je pouvais, j'aurais pris celui-ci à la place. On me demande qui dure comme produit, mais ça me dit quelque chose, ça. Oui, c'est les. Ça, c'est. Attends. Je crois que c'est les. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est les. Mais je crois qu'ils font que du vêtement. Oui, ok, je vois. Ils font beaucoup de vêtements de travail. De vêtements. Alors, pour le coup, c'est du techwear un peu hardcore, mais qui est vraiment que pour le travail. Donc, Et il me fait mal à la tête, le site. Ouais, et on peut pas. Bon. Ferme la page. Une reco pour une maille indestructible qui dure à vie. Bah, franchement, par un tu demandes à Dieu d'en créer une. Ou un énorme truc écossais, bien rêche. En laine vierge, bien rêche. SNS Earning, peut-être. Qui dure fini avec Gauthier Borsarello. C'est marrant, ça. Ouais. C'est pas. C'est, je sais pas, je connais pas. Ouais. Moi, je sais qu'il y a un gros savoir-faire workwear. Ok. Mais pour le coup. Ouais, il faudrait que je... Alors, Joël dit « J'aimerais trouver un jean qui perd pas sa couleur avec le temps, c'est pas possible. » Voilà, fais le deuil, t'en auras pas. Baliballo nous dit « Ma mère m'appelle pour manger, mais bon appétit. » Bon appétit. Ah oui, Finistère, c'est pas mal ça. J'en avais parlé dans un Parlons Vêtements, mais il faut que je retrouve... Tony Valstarino, c'est très bien pour le prix. Faut que je rote. C'est des beaux suédois. Ouais, c'était une marque sympa, ça. Il y avait des trucs. C'était au niveau des prix, c'était assez cool. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien le. C'était pas hors de prix. Il y avait des trucs qui avaient l'air d'être super sympas et sur les parkas, c'était cool. Ouais. Après, c'est fait où ces pulls? Bon, on va regarder. Oui, Gauthier Borsarello, on m'a dit que c'est effectivement une conseil qui dure. C'est fait. C'est tricoté en Roumanie. Ah ouais, c'est pas mal pour 110 balles. Hein. Ouais, franchement, c'est cool. Que pensez-vous de Côté Lac? Ah oui, alors c'est marrant parce que. Côté Lac, je pense que c'est une marque qui nous a jamais contacté et pour le coup qui passe totalement sous nos radars. Ouais. Parce que c'est quand on allait voir nos fabricants japonais. Et qu'on leur demandait mais c'est qui vos autres clients en France, Côté Lac ça revenait souvent, donc ils utilisent beaucoup de matières japonaises mais ils le disent quasiment pas, et je pense que bon vous voyez ça c'est des Les trucs avec les non c'est, ça c'est des produits c'est un peu plus c'est pas trop le style bonne gueule la quoi. Maison je sais c'est pas quoi ce c'est des Donkey Kong sur ah non c'est des R2D2 ça ouais des petits R2D2 mais dorés ah c'est du motif robot ouais. Ça, c'est le genre de marque, ouais, tu vois, ça, c'est un peu... Écoute, ces chemises-là, non. Après, si t'en trouves des sobres, si les matières sont bien, pourquoi pas. Moi, je suis pas pour. Ouais, peu... Avec le petit... Moi, c'est un peu comme Artford, hein. C'est des marques, il y a plein de trucs qu'on peut... Tu vois, ça, genre, ça, dans un look, ça peut être super sympa. Ouais. Mais, les petits points, là, les petits points. Bah, moi, j'aime bien, ça donne un petit côté à la Visvim. Donc, côté là, que oui, mais, enfin, c'est vraiment, il y a à boire et à manger. On me demande un avis sur le Shaggy Sweater. Ah, voilà, c'est ça. C'est ce truc. Du coup, j'en ai un, du coup, bah, j'aime bien. Il dit, mais c'est quoi cette laine, hein? Je sais pas exactement, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches. Est-ce que c'est doux? Moi je trouve que ça gratte un peu. Non, c'est bah justement, c'est un peu c'est pas un petit pull en cachemire tout doux et c'est pas la laine la plus douce qui est. Mais alors, c'est voilà. On me demande c'est l'aspect visuel qui est intéressant. On me demande ce que je pense du pantalon technique de Asphalt. Je pense que ça va être celui-là. Est-ce que ça va Asphalt avec de parce que j'ai une question sur qu'est-ce qu'on pense de l'asphalte là aussi. Ouais, David, va voir la fiche marque. Il va envoyer la fiche marque. Alors est-ce qu'on peut le porter avec tout? Ça dépend ce que tu appelles tout, mais moi je le porterai avec pas grand-chose en aspect visuel. C'est vrai que toi, bon, Nicolo, t'es très sur les matières un peu qu'on a un peu technique. T'es pas grand fan. Bah, ça se voit en fait, quoi, que c'est du techwear. Cela dit, moi, ce genre de produit me parle beaucoup. Et c'est vrai que si t'es dans des enjeux de minimalisme, d'avoir une garde-robe très réduite et que tu veux un chino qui te serve limite à faire du vélo, de la randonnée, de la montagne, de la soirée, et que t'as qu'un seul pantalon à emporter. Ouais, mais c'est pas dans une optique d'améliorer votre look. Ça, je suis désolé, mais c'est pas, tu vois, c'est pas la problématique, quoi. Genre,
tu mets ça, franchement, le blazer dans cette matière, ça, c'est pas possible, quoi. Ouais, genre, c'est un peu même en photo, ça se voit. Alors, en vrai, tu vois, tu mets ça, oui, tu as un blazer, ça a la forme d'un blazer, mais genre, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si je prenais des fruits et je les compressais en carré et je les teignais en brun et je te dis, c'est un gâteau au chocolat. On me remercie pour mon interview avec Olivier Roland, ben, je me permets de... Parce que je sais que je me suis beaucoup livré et je sais que ça... Aujourd'hui, Christophe m'a envoyé un message en disant « Benoît, t'as fait cette interview, tu l'as dit à personne. » Donc je me permets de faire un tout petit peu de pub parce qu'elle dure... Elle dure une heure. Et alors, attendez, je vais la trouver. Et on doit aussi demander la référence de la ceinture Cobra que tu portes. Ok, alors... Ah, parce qu'on voit depuis en dessous ? Non, parce que je... Quand... Mais, d'ailleurs, je la porte dans cette interview, il me semble. La ceinture Cobra... donc voilà. Parce qu'il la porte maintenant là. Ouais. Donc je voilà, c'est, pas, du voilà coup. Cette interview, c'est vrai que pendant une heure je parle pas mal. C'est avec Olivier Roland, il y a beaucoup de liberté. Donc c'est vraiment cool. Et merci à toi Olivier de m'avoir accueilli pendant une heure. Et la ceinture que je porte, c'est celle-ci. Alors justement, là ça va faire bondir Nicolo. Quand j'ai vu ça, j'ai dit je veux mettre une ceinture Cobra avec un costume. C'était ça. Et donc moi, celle que j'ai, c'est celle-ci. Et j'en suis. Super content, voilà. Nicolas, tu peux... On dirait une ceinture de sécurité, tu sais, genre... Là-bas, on était dans l'avion à l'aller hier matin, et c'est comme ça. Et non, il y a un petit dégât. Mais attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Alors, et je crois Mais cela dit, j'ai vu des... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je regardais, parce que dans les Avengers, il y a un peu de ceinture Cobra. Voilà, c'est bien pour vous déguiser en super-héros. Et ouais, je crois qu'elle en a une à un moment. Si vous voulez être Scarlett Johansson. Voilà, elle en a une ici. Voilà, non, il n'y a pas que dans... Enfin, c'est une boucle, comme j'ai dit, qui est très cinématographique. On la retrouve sur pas mal de costumes au cinéma. Par contre, on avait vu un article qui montrait des grandes maisons de luxe qui travaillaient la ceinture Cobra, mais différemment. Oui. Et c'était pas mal. Le problème, c'est quand c'est écrit Cobra, triple, machin, les... truc partout, c'est... Alors, oui, tu fais... Moi, ça me dérange, tu vois. Toi, tu fais référence à Alix, qui est pas d'ailleurs une vraie boucle Cobra, mais qui est hors de prix pour ce que c'est. Bah ouais, mais j'y peux rien si tu veux porter des boucles de... Et, ah oui, tu vois, eux, ils en ont même fait un petit bracelet. Ça, c'est plus... Ça, c'est ah, canon. Le look du mec, putain. Ah, franchement, le bracelet, il est ouf. Le bracelet... Mais non, mais c'est quoi, ce... Le bracelet, il est vraiment ouf. Alors... C'est pour aller en rave party avec 3-4 vêtements sur le dos. Je le veux pour Noël. Alors... On nous demande aussi où trouver une tweed jacket de bonne qualité et moderne. Ouais. Chez les gens... Franchement, c'est pas facile, hein, la veste en tweed moderne. Parce que c'est pas très moderne, la veste en tweed, en fait. Ce petit shooting... Je sèche pour le moment. Alors, juste, c'est pour finir avec ma petite ceinture Cobra. Sur Enfer Levé, qui est une marque que j'aime beaucoup. Dans Accessories, vous en avez même en cuir de kangourou. Et je trouve que c'est vraiment trop la classe. Tu tiens sur Cobra, ça te parle toujours pas ? Si, si. Bon, enfin bon, c'était des petites parenthèses. Merci Nicolas. Non, mais c'est, comme ça, c'est pas mal. Votre ça va être principalement tissu, ouais. Ouais, sur votre sac de voyage Bonne Gueule ressemblera à quoi ? Mélange de cuir et tissu ? Un sac décontracté, principalement en tissu. Un peu militaire, ouais. Un petit peu, principalement en tissu avec un peu de cuir. Et le prix, c'est sous les 300, c'est ça ? Ouais, alors au niveau des news de Benjamin Jezekel, je peux pas. Enfin, c'est pas que je peux pas en donner, c'est que je ne sais pas. Il a ouvert une boutique à Paris. Ouais, il a ouvert une boutique. Et il y a une nouvelle collection qui arrive. D'accord, ok. Merci David. Il m'a montré son. Alors bonjour, est-ce qu'il existe des marques de type Patagonia, technique, bon rapport qualité-prix et plutôt accessible pour un étudiant mais un peu plus habillé ? Et tu demandes beaucoup de choses en même temps. Parce que du Patagonia pas cher, ça s'appelle du Décathlon. Mais pas cher et stylé et accessible. Et en fait, c'est du techwear que tu veux étudiant. Ben ça, pour ça, c'est du Nike ACG sur Grail en occasion, ou soit c'est du... Mais Nike ACG, Benoît, c'est pas budget étudiant. Ouais, ou soit c'est du Uniqlo. Hein. Et c'est pas le truc le plus performant, quoi.
Asphalt, les gars. Il y a un mec qui dit ça censure les messages sur Asphalt. Mais enfin, on y a répondu trois fois. On a dit trois fois. On a une fiche marque exprès pour ça, les gars. J'étais sur le point de dire retournez voir la fiche marque quand j'ai vu que le message a été retiré. Si t'appelles ça de la censure, tu veux que je te dise à combien de questions dessus j'ai répondu. Ça doit être un bon millier. Je sais pas, j'exagère, mais c'est le sujet est traité et retraité. Et alors, pour le moment, rien n'a vraiment évolué par rapport à notre premier. On nous demande ce qu'on pense de Monsieur Chaussure. Ah non, Monsieur Moustache, autant pour moi. Ah oui, mais non. Bon, Monsieur Chaussure, on peut quand même en parler. Réponds à ces questions quand même avant. Sur Monsieur Moustache, alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas testé la marque. Moi j'ai. Comment dire. C'est pas la marque en particulier, mais j'ai de plus en plus de mal à recommander les marques qui font. Qui font leurs chaussures au Portugal et qui font de l'assemblage sur des formes déjà réalisées au départ. Très très sneakers. Avec des cuirs très. Après il y a du petit design et tout, mais n'achetez pas une chaussure basique chez ce genre de marque, parce que les marques chaussures plus classiques feront mieux, vraiment. Donc si vous n'avez pas une différence de design, ça par exemple, c'est pas la peine. Si vraiment vous adorez cette petite encoche en bout de chaussure et que pour vous ça vaut le coup de que ça passe au-dessus de tout le reste, achetez là, mais chez Mirmin vous aurez mieux, chez Urbans vous aurez mieux, chez je sais pas, enfin dans les marques de chaussures d'entrée de gamme avec un délire vraiment chausseur plus classique et peut-être un peu moins séduisante sur la direction artistique où c'est pas posé sur des tables en bois et tout. Ben, vous aurez une meilleure qualité. Quoi. Par exemple, si vous, tu vois, une Chelsea Boot semelle en crêpe à moins de 200 euros de cette couleur. Oui, voilà, c'est que là, il y a la semelle en crêpe et c'est difficile de les trouver à ces prix. Mais n'achetez pas un truc basique dont vous pouvez trouver le même équivalent. Ça vaut pour Bobby's, mais Bobby's, c'est vraiment cher. Et pour Monsieur Chaussure, il faut savoir qu'on a visité l'atelier, Nicolo, on l'a visité la cordonnerie. Dernière. Ouais, la cordonnerie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment de la très bonne cordonnerie. Et si j'en crois ce que j'ai compris, c'est ils font les choses le mieux possible. Et les produits d'entretien, ils nous ont appris plein de choses dessus. Plein de choses. Ils savent, fiez-vous à leurs conseils, ils savent vraiment de quoi ils parlent et c'est très bien. Super, très très bon feeling avec Charles, qui est le fondateur et qui fait tout pour proposer les prix les plus bas possibles. Et vraiment, c'est une très très belle boîte. On me demande ce que je pense du Bomber Suit Supply. Alors, il est où le Bomber Suit Supply? Il est dans Veste, je pense. Ah, il y a des mecs qui reposent des questions sur la soirée, je pense qu'on se fait troller. Là, je sais pas laquelle c'est ton bomber Suit Supply. Oui, Bobby's en cuirlisse, on voit que c'est pas top et on dit que ça va, mais comme j'ai expliqué dans mon dernier article sur les cuirs d'entrée de gamme, vous verrez moins sur le suédé la différence de qualité, mais ça veut pas dire qu'il est pas là. Vraiment une bonne paire de bottines pour passer l'hiver, pas de limite de budget. Bah alors là. Bah je sais pas, va chez Philippe Atienza et fais-toi faire des chaussures à 6000 euros alors. Va chez Achung hein, et prends le modèle qui est fourré en lapin. Voilà. Ou prends-toi les Santoni en lapin aussi. Hein, c'est une possibilité. Ou fais-toi faire du made to order sur Carmina entièrement personnalisable et mets des doublures d'hiver. Ou regarde chez Colin Cour où il y a aussi des chaussures d'hiver si tu veux une petite patine en plus. On finit le live dans une minute. Je pense qu'on arrête de répondre aux questions et qu'on dit au revoir. Alors, on nous a quand même demandé, avant la fin du live, pouvez-vous nous dévoiler certains produits qui sortiront après le 8 décembre? Benoît, très vite. Pas à jour. Tu as 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort? Je vais regarder. Tu sors pas le document confidentiel en plein écran? Non, mais il est sur mon écran. Ok. C'est vrai que c'est... Alors, Fais attention. Je sors mon petit document. Alors... je prends mon ordinateur secret. Là, on va repasser du coup en plein écran. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort pour janvier? Alors, je sais, j'ai pas le bon. Attention, collection 2019. Voilà. Attends, c'est pas le bon document.
Hop. Ça arrive. Il est où? Bon, ok. Alors, pour Benoît, t'es en train d'afficher le doc en live, apparemment. Mais non. Impossible, il est pas connecté. Bah non, il est pas connecté. Il me fait peur. Je pense que c'est un troll. Alors, donc, on a une doudoune sans manche qui va ressortir. Non, il parlait des sorties de décembre. De décembre ? Mais oui. Bah c'est mis à jour ça du coup. Ah non. Ah non, c'est vrai que c'est pas mis à jour. Bon. Ah oui, alors que c'est un mois. Alors là, ça va être un mois très très lourd. Hein. Ouais, ça va être un lourd mois. Ouais, ça va être un mois. Là j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je suis impatient. Mais déjà, on a la super parka qui sort. Là, ça va être, bien vénère. On a le jean noir. Le jean noir, le premier jean noir chez Bungle. On a une très belle paire de souliers faits en Angleterre. Très belle. Très belle, puisqu'on a vu un peu comment... Des boots, plus exactement, des belles boots. Ouais, pas des bottines, des chaussis. On a un beau cargo que normalement, si vous avez été attentif, vous avez pu le voir sur certains shootings de nos lancements, qui est vraiment cool. On a un très beau pull qui va plaire à ceux qui ont aimé notre super yak, notre cardigan super yak. Et on a un sac de... Un sac. J'ai juste une question d'un mec qui dit c'est pas pour rajouter une couche, le perso, j'ai cherché votre fiche sur la phase et je la trouve pas sans passer par Google, c'est peut-être pour ça que les gens vous saoulent avec ça. Alors attends, mais c'est pareil pour les 350. Mais là, faut aller dans Marc, voir toutes les tu marques. Tu sais, regarde, tu vois, Marc, A. Où elle est pas référencée. Ah, ça c'est très bizarre par contre. Qu'elle soit pas dedans. Ouais. Ouais, elle devrait être dans cette liste. Merci de nous l'avoir signalé. Ouais. Normalement, ça se met tout seul. En fait, dès qu'on en crée une... Ouais, parce que tu vois, là, t'as octobre. Mais devrait y avoir asphalte aussi. Très bizarre. Donc ouais, il y a les fiches marques récentes, mais celle-ci, c'est pas affiché. Ouais. Et du coup, merci de nous l'avoir fait remonter. Et les gens disent qu'on censure. Non, ils se foutent de notre gueule. Je pense que... Là, c'est, je trouve ça serait un propos injuste de dire qu'on censure, parce qu'on est vraiment les... Moi, je peux répondre en détail à vos questions dessus, simplement, ne me posez pas les mêmes questions à chaque fois. Les Chelsea Boots pour Bungle, ça sera en 2019, ça. Et est-ce que la parka se rapproche d'un gros truc à la Pyrénées ou quelque chose de plus chic et fin du genre à Cigale? Ça sera plutôt quelque chose de... ça sera pas du UV, ça sera pas matelassé, comment dire. Bah tu verras. C'est pas une doudoune. Hein. C'est pas une doudoune. On n'est pas en mode Canada Goose et on n'est pas non plus en mode flanelle de laine. Et un magasin un jour à Strasbourg, c'est marrant parce que je suis allé à Strasbourg il y a pas si longtemps. C'est vrai que ça serait une belle ville pour Bonnie. Mais comment dire, c'est faisable pour nous ou pas? Ah ça, on va voir. Ok. Et faudrait qu'on jette un coup d'œil à Peter Manning. Ok, on fera ça. Et la parka style chauffeur de cadeau, elle est cool. Voilà. Bon. Bon. Les gars. C'est l'heure de dîner. On a réussi à tenir notre timing. C'est pas parti en... Voilà. Ça dure pas jusqu'à 2h du matin comme d'habitude. Non, mais ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Ça sera que pour les live solde. Non, même pas. Je veux dormir la nuit. Bah, Nicolas, moi, tu m'as dit que t'aimais bien. Oui, mais maintenant qu'on fait tous les mois, on n'a plus besoin de se coucher. Voilà. Alors attends, comment on arrête? Ah oui, on va. Attends, dis au revoir. Attends, au revoir. Voilà. On vous remercie. Merci de votre écoute. Et du coup, on se revoit dans un mois. Dans un mois, en décembre. Pour. Sauf si je prends des congés à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on doit préparer en décembre? Peut-être un truc, notre liste de Noël. Ouais. Ou c'est le cœur qui parle. Avec des trucs méga chers. Méga chers, mais c'est important d'envoyer du rêve. Et on fera. Moi, j'essaierai d'en mettre pour tout le monde. Parce que j'ai aussi envie de trucs moins chers. Okay. Mais aussi envie de trucs très bon, chers. Bon, à bientôt, les gens. Passez bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut. Salut. Ah, attends, je coupe. Attends, je regarde si ça a coupé. Toujours pas. Donc, on est encore en live. On est encore en live. Mais je sais pas pourquoi.
Au pire, j'arrache toutes les prises. Hein.